Nous voilà sur la troisième cuvée blanche. Nous sommes en Rully 2011 chez Vincent Dau, domaine de Lessette. Je ne vous ai pas parlé de Vincent Dau. Ce jeune vigneron a la particularité d'avoir été deux fois reconnu meilleur talent des jeunes vignerons. C'est important de le signaler. C'est quelqu'un qu'il faudra, je pense, suivre sur sa carrière. Nous sommes sur un parcellaire également communal, comme les deux précédents vins. Et nous sommes sur Gaudoir cette fois-ci, une cuvée sans doute la plus réputée du domaine. Donc toujours un très joli gras sur ce millésime 2011, avec toujours cette couleur très dorée, très jolie, les chardonnays qu'on aime en couleur. Beaucoup d'expression au nez, c'est également très fruité, davantage fruité peut-être que les autres cuvées sur un fruit très mûr, mais qu'on ne s'y perde pas, nous avons quand même des très jolis équilibres dès le départ, et des notes un petit peu plus boisées, sans doute moins de cuve et plus de foudre de bois de chêne sur ce vin. Voilà, encore une fois, une très belle bouche, c'est gras, ça prend sa place en bouche, le rafraîchissement citronné arrive, ça perdure, on a ce petit côté de filet de citron avec ce léger zesté, c'est admirable. C'est vraiment un très joli Bourgogne qui exprime bien son cépage, sans doute un petit peu moins de minéralité également que le précédent, mais pour ceux qui aiment bien les chardonnays aux fruits, sur un très joli équilibre, les bouches bien pleines, c'est cette cuvée-là que vous devrez choisir. Alors bien sûr, on est sur un vin de plat, toujours, mais bien sûr, le poisson sera admirablement bien servi aux côtés de ce vin. Mais pensez également à la blanquette de veau, à la volaille également. Donc les viandes blanches seront bien sûr les bienvenues. Faites-vous plaisir sur les trois prochaines années. Inutile, je pense, de vouloir le garder. Il s'exprime déjà très très bien aujourd'hui.